Alex Vizorek, est-ce que vous auriez un rôle? Et bien sûr. Pour notre invité. Vous saviez très bien la réponse que j'allais vous donner. Tous les jours, j'ai un rôle pour l'invité. Hein, et il découvre son rôle. Parce que un sketch en lien avec l'actualité, c'est la succession de François de Rugy à l'Assemblée nationale. Trois candidats, dont deux candidates. Sandra Motin, que vous êtes. Barbara Pompili, c'est Charline. Et Richard Ferrand. Ah. Guillaume. Oui. Qui va s'en sortir, c'est la bisbrouille. C'est la bisbrouille dans le poulailler. On y va. Poulailler, sexiste. Allez hop, du balai les mecs. Exactement. Débarrasser le plancher. Dis donc les femmes de ménage, vous savez qui je suis exactement? Ouais, t'es Richard Ferrand, le gars des mutuelles de Bretagne. Ah, et moi tu peux m'appeler Sandra. Et moi Barbara. Sandra, Barbara, pardon, mais on dirait un feuilleton sentimental. Ouais, bah prépare-toi à chialer mon bonhomme. On est là pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. Girl power. Ah, une femme présidente. Eh mais attention, hein, pas un emploi fictif à la Pénélope Fillon. Un vrai poste de présidente. Ouais, et comment ça va se passer? Vous allez instaurer une commission tricot? Et toi, tu comptes créer une commission casserole? Ouais, tu veux qu'on parle de tes petites affaires dans le Finistère? Mais taisez-vous, vous connaissez rien du tout, allez plutôt faire la cuisine, tiens. Ah bah et bravo. Il est beau le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. L'ancien monde dans toute sa splendeur. Dans deux minutes, on va avoir droit à... Mais qui va garder les enfants? Oui, aussi, l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté. Vous ne serez jamais à la hauteur, mon pauvre vieux. Et pour le perchoir, c'est gênant, hein, c'est un manque de hauteur comme ça. Alors hein. C'est donc ça le nouveau monde? C'est le renouveau des visages et des pratiques. Mais monsieur, que diriez-vous plutôt d'un poste d'assistante? Et pourquoi pas stagiaire tant que t'y es? Bon, attends, écoutez les greluches là, cette petite mascarade a assez duré, moi je trouve. Oui, nous sommes d'accord, oui. Il est temps d'élire une femme présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas un noir? Non mais je rêve, c'est la République en marche arrière là. Mais vous n'avez aucun soutien, de toute façon. Je sais pas, il en dit quoi François de Rugy? Il est sans doute trop occupé à boire un canon avec des chasseurs. Et Emmanuel Macron? Il est sans doute trop occupé à boire un canon avec des chasseurs. Alors je déclare officieusement ouverte la chasse aux ferrants. Aux ferrants roses? Oh, 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 vous allez bien vous calmer les perruches là. Non mais quel goujat! Et toi, tu sais où elles vont finir les perruches? Au perchoir. Très belle chute, très belle chute.